Célèbre présentatrice de films d'horreur. Celle dont vous admirez la pleine forme et les formes pleines. Elvira est maintenant... Allons-y, portons bien haut nos canettes. ...devant les caméras pour interpréter Elvira, maîtresse des ténèbres. Salut. Elvira doit se rendre dans une petite ville de province. Mais moi, je n'ai jamais vu autant de merdier sur une seule tête. Elle hérite de sa grand-tante. Pour ma petite nièce Elvira, je lègue ma grande maison... Les parents de Richard sont cacaillés, alors on en a profité. Hé, hey Elvira, on a deux nouveaux volontaires. Tant mieux, qu'ils commencent, donne-leur des pelles. Mon charmant petit caniche Alcum Queen. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de toi? Oui, ainsi que mon très précieux livre de cuisine. Voilà mon chef-d'œuvre. C'est le mien, je veux ce bouquin. Elvira aura beaucoup de mal à se faire accepter. Cette Elvira est une personne de petite vertu, une pourvoyeuse de maladies honteuses, une envoyée spéciale de son nom et comme nous lui assignerons une interdiction de séjour illimitée dans notre bonheur. Je veux sortir, laissez-moi sortir! Calme-toi, la sorcière! Hey, je connais très bien Starsky et Hutch, j'ai le droit de téléphoner et de subir une fouille en règle. Voyons la sorcière! La sorcière! Sorcellerie. Vous avez un dernier mot à dire? Non, j'en ai trois. Allez! On devra en organiser un tous les ans. Elvira se brûlera à l'intolérance des autres. Ah, ok, tu veux jouer à ce petit jeu-là. Seul un éclair de génie pourrait la sauver. Venez voir Elvira, tout feu, tout flamme. Cherche la bagarre, vieux. Elvira joue. Elvira, maîtresse des ténèbres. Prochainement sur vos écrans, dans vos cauchemars ou dans vos rêves. La revanche est un plat qui se mange chaud.